La tour de l'horloge a été complétée en 1809 et elle est vraiment intéressante du point de vue stylistique parce qu'elle possède des chambres de cloches. Sur les côtés au sud de la tour, on peut admirer la magnifique méridienne, encore présente et fonctionnante. Le siège adjacent à la tour de l'horloge était le lieu où se réunissait l'assemblée civique de l'université de Galatone. Il a été construit par Onofrio Fanulli en 1589. Il a été aussi le lieu de l'assemblée plénière municipale jusqu'en 1870.